Salut tout le monde, salut YouTube. Bienvenue dans cette vidéo absolument frappante et incroyable dans laquelle nous allons faire des roulades contre Corinne. Putain, là, je suis en train de PB. Je suis en train de PB, putain. Allez, Corinne! Allez, Corinne! Hop! Les examens sont finis. Donc, je peux profiter des lives maintenant. Ah, ça s'est bien passé, Eros. C'est ici le gaming, Jarl. Bien sûr que c'est ici le gaming. Bon, on va donner les brévières qu'on avait chopées. J'en ai pas. Bon, on rappelle un truc. C'est que j'ai ça. Monsieur, dame. Voilà, j'ai ça. L'arme du grid infini, absolu, maudite, ne permettant pas au runner d'aller au bout. Donc on va l'améliorer au max. Salut Darkspawn, bienvenue. Pour ceci, il me manque, je crois, juste une pierre de forge 1, du coup, puisque j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je pense qu'il doit bien y avoir un vendeur qui m'en vend une 10, à mon avis. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Redaz, re à tous, re Snake, re Corinne. Tout le monde, attendez, mon cœur doit battre pour vous. Et alors, mieux que ma santé mentale après toutes ces semaines. Ouais, putain, tu m'étonnes. Moi, c'est les deux dernières semaines de taf qui se sont très mal passées. Du coup, c'est pour ça que je suis content. Là, je me change les idées avec vous. Même si je meurs, c'est pas grave. Salut Solal, salut Arthur et bienvenue. Bon, on avait trouvé cette hallebarde de plus 8 et on voulait l'utiliser pour aller taper des boss. Le but étant, bien sûr, de passer à 21 en force. En foi, pardon. Et puis voilà, quoi. Et puis, ben, du coup, après, on pourra se servir de la blasphématoire. Donc, si je pouvais trouver un souvenir, ça serait cool. Donc, peut-être que je vais aller quand même à Kaelid, faire un petit tour à Kaelid. J'avais pas pris le feu, là, t'es. Donc, on va aller faire un petit tour des marchands de Kaelid, et puis ensuite, on reviendra. Salut, putain! Taper des boss, putain! Comment il va, Polkov? Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne après-midi. Moi, j'ai passé une super après. J'ai vu mon frère, là, du coup. Et puis, je suis allé me balader avec, mon frère, sa compagne et ma nièce, qui est très rigolote. Elle a les dents qui poussent. Les dents poussent. Donc, c'est rigolo. Et donc, là, on a un lion avec des coudières. Comment ça va, tout le monde? J'espère que ça biche. De ouf. Parce que, ouais, hein. Polka va récupérer. Salut, putain. Bon, je vous offre un fracanus, tout le monde. Ouais, donc le but de la run, ça va être déjà de passer les 22. Oh putain, gargouille vaillante ici. Mais alors? Mais ça, c'est goldé, ça. Ça va, j'attends d'être ébahi par ton gameplay. Écoute, je suis dans un vortex de merde, là, tout le monde. Cette semaine, en tout cas, j'ai vraiment pas fait mieux que 22 boss. Je suis vraiment désolé hein, pour tout ça. Pour ce vortex de merde. Mais bon, bah écoutez, je peux pas faire mieux, quoi. T'as une clé lame de pierre, je vais pouvoir ouvrir le truc. Et salut à Steamer! Bonsoir, personne n'a réussi une run Nodes avec la lame ce matin. Elle est maudite, mais si Steamer! Orsay est arrivé. Orsay est arrivé. On va choper cet objet. Voilà, c'était couillu. Mais les dragons, ça crie à chaque fois qu'ils te repèrent. Donc ça permet de passer tranquillou. Tranquillou, biloute! Salut Jules Fou, bienvenue. Alors s'il se met par contre devant la porte en haut et qu'il souffle son feu, je suis mort. Hein. C'est le creux de la vague exactement. Bon, du coup, ce qui est chouette, c'est que j'ai trouvé cette hallebarde. C'est une hallebarde de base, elle est en plus 8, donc elle fait des dégâts. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, 226 de dégâts. Et je peux faire ça aussi. C'est plutôt pas mal comme arme, ça, pour démarrer. Je trouve. Voilà. Mais alors? Et hop, on monte un peu le chat. Rune dorée 2, ok, superbe. Bon, du coup, mon personnage a quand même, il a 1h30 et je suis quand même niveau 40 en vigueur et on a tout ce qu'il faut quasiment pour maxer une blasphématoire. Il m'avait juste me manqué 11 points de foi, malheureusement. 11 points, c'est pas énorme en soi. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. C'est pas celle du paladin du début. Je crois que si, il me semble que si. Matabuena. Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. En fait, du coup, je voulais l'utiliser. Enfin, je l'utilise parce que c'est actuellement le truc le plus fort que je peux avoir, tu vois. 1, 2, 4. J'ai pas de pierre 3, donc je peux pas trop maxer d'autres armes.
Et vu que je peux pas utiliser la blasphématoire, puisque j'ai pas les stats, ça va être compliqué là. Début de run compliqué à mon avis. Bon écoutez, on va essayer de trouver peut-être des runes, peut-être des souvenirs sur les deux cimetières qu'il y a à Kaelid. Et puis voilà, on va essayer de level up comme ça. Ah toi aussi t'es hanté par celui-là. Non mais le géant de feu dans sa cave, au secours quoi. J'espère vraiment que je vais pas retrouver un truc similaire. Ah, envol venimeux. Ça permet de proc du poison, ça c'est pas mal. Hop. Ouais, les difficultés qu'il y a dans cette run, dans ce défi, c'est les parcours jusqu'au boss. Du coup, avec tous les ennemis et tout ce qui peut te buter. C'est les gros boss dans les petites arènes, type géant de feu P2, concrètement. Et puis après, bah, genre Malikette, quoi. Les ébagous. Bienvenue. Monseigneur Johan, bienvenue. Bon, là, ça devrait aller, non? Attendez. Ouais, 3 coups ça, et ça stun. Hein. Elle a pas l'air mal, cette arme, hein, en vrai. Vous avez vu? Elle a l'air bien. Hein. Y en a qui l'ont déjà amélioré au max. T'es Kalien, dis donc! Ribouze! T'as vu les affiches que j'ai mis sur le Didi? Et non. Oula! Oula! Non, jamais je la réutilise celle-ci. Attends, je vais regarder. T'as mis ça dans quoi? Dans Média? Skull and Bones. Ah ouais! Trop stylé! Radagon, putain, il est tellement stylé! Renala! Oh, le Pumpkin Head! Oh putain, mais il y a Malenia! T'es retourné pour Malenia, incroyable! Oh putain, mais il y a Rani! J'ai pas du tout le seum, Kalia. Pas du tout. Tu sais que si j'avais su, je serais venu. Je savais pas qu'il y avait cet event. Putain, mais je serais trop venu! Spot de farm. Je passerai le nom de l'artiste. Ah ouais, chaud. Chaud, chaud. Un petit spot de farm là, au KLM. Ça marche ou pas? Ça marche pas? Salut mes couilles en kit, bienvenue à toi. On va essayer de level up mes couilles en kit. De level up la foi. Et de trouver une pierre de forge sombre, une aussi, hein, l'air de rien. Elle y est pas, mes couilles en kit, elle y est pas. Hein. Bah, c'est pas grave, Kalia. C'est pas grave. C'est vrai que vu que je suis à Paris, en plus, moi je dois avoir un train direct à mon avis. Ouh, ça va faire des runes, ça. Je pense hein, que ça va faire des runes, non? On est, voyons voir. Est-ce que j'ai comme talisman? Putain, j'ai des bons talismans, là, dès le début, hein. Abusé. Et alors, je sais pas si je l'ai, la cendre qui fait des flammes noires. Hein. Je sais plus si je l'ai chopé. Si, je l'ai là. Ah ouais. Ah oui. Ouh là là, je vais le faire. Je l'ai chopé. Comment ça, hein? Pas comme ça, Ribo. Heroi, si tu veux voir ma mort de tout à l'heure, point d'exclamation, mort neuf. C'était... J'avais les vies pleines, quoi. J'avais les vies pleines. Voilà le temps qu'il va mettre pour mourir. Bah, c'est à peu près ça, parce que regarde, il prend 105 de dégâts, et moi, je fais combien de dégâts? 226. Bon, quand même, j'abuse. Salut, babouche! Bienvenue. C'est la 9, ouais. La 8 n'existe pas, puisque la 8, c'est splash. Je n'arrive pas à me passer de ce clip. Je suis addict. Les lameurs. On va aller au cimetière à côté après. Alors, je sais cette info de source sûre, mais apparemment, les ennemis nous détectent moins la nuit. Ça paraît logique en soi. Ouais, mort par coup de queue. J'ai pris un énorme gourdin dans la tête. Alors, combien de runes? C'est très peu. C'est vraiment pas beaucoup. Et y a Jarrebourg aussi, où il faut que j'aille. Voilà. Salut Joachim, bienvenue. Comment ça va, Joachim? Ouais, les chevaliers du creuset, en fait, ils te laissent pas respirer. Et là, en plus, quand tu regardes la vidéo, j'avais les vies pleines. Quasi, quoi.
passe fort. Derrière cet arbre. Il me protège. Là. Ben en plus, c'était double coup de queue, Eros. Hein. Toi qui es dieu du sexe et compagnie, je pense que tu dois en connaître un rayon sur tout ça. Hein. Merci à toi. Ça fait mal, ouais. Ça fait très mal. Donc là, voilà, bah, du coup, j'ai une lame blasphématoire dans la poche avec pierre de forge sombre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque la une. Voilà. Re le petit loup. Salut Blue Slide. Ouais, ça loot bien, ouais. Une heure et demie là, de setup, donc c'est deux fois moins que d'habitude. Et il me faut juste une pierre de forge sombre 1. Ce qui peut durer du coup pendant à peu près 20 heures de jeu. Hein. De gaming. Donc je fais les marchands, le cimetière de Kaelid, le deuxième. Et puis après j'irai à Lurnia, à Jarbour. Voilà. T'as pensé à saluer TikTok? Non, je suis pas un stream sur TikTok, il me gave sur TikTok. Là. Je me suis dit cette semaine, vas-y, j'arrête. Ils sont décérébrés sur TikTok. Ok, il n'y a que dalle. Ouais, je pense que je suis dans les meilleurs setupeurs par contre. Meilleur setupeur et théorie crafter. Par contre, je suis le pire gamer, à mon avis. Je sais que tu les aimes, mais oui. Je fais des baisers. Tes bisous, baveux. Merci à Clean, X, Verte, pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Abonne-toi. Je sais jamais où il est, le cimetière d'ici, là. Jamais à savoir. Ah, t'es là, il y a des trucs aussi. Souvent, devant ça, c'est des arcs stellaires. Dans le jeu classique, je crois. C'est que ça, même, non? Putain, mais j'en ai looté un paquet, des pattes de poulet doré. Oh, salut Snake! Re-Yaikobist! Bonsoir tout le monde. Ils m'ont sorti tous les chiens. Hein. T'as bien fait, Laurine. T'as bien fait, parce que c'est vrai que je stream pas tout le temps sur TikTok. Donc, je vais d'abord faire le fond du cimetière. On mettra la bonne cendre de guerre après sur ça, là. Super. Ok. On va regarder le boss, quand même, ce que c'est. Il y en a qui regardent des lives que sur TikTok ou pas? C'est quoi, ça? C'est Uber? Non, c'est pas Uber, c'est le nécromancien, je crois. Tu tapes yaikobist.exclamation mort 9. Pipi caca 2. Là, on joue actuellement avec Kag. Ouais, c'est ça, c'est Kag. Petit serment doré. Pas du tout. Quand il y a ça. Salut, Gandalfouné. Ouais, si jamais il y en a qui demandent comment je suis mort, n'hésitez pas à leur taper la commande point d'exclamation mort 9. Alors, ce qu'on va faire du coup, cendre de guerre, regardez. On va changer pour ceci. En pyrotechnique. Et là, ça va être très très fort, cette histoire. Regardez ça. Très très fort, ça. Il pense à une annonce de From Software dans les jours à venir. Moi, je pense le 25 février. Ouais, je pense que là, ça va faire des dégâts. Par contre, cette arme, elle est quand même plus 8. Et je crois que j'ai pas de pierre 3 pour l'améliorer un petit peu plus. Donc c'est dommage. Ouais, très bonne idée, mes couillons kit là, pour le coup, ça va beaucoup m'aider. Je pense que c'est une bonne cendre de guerre, ça, pour le coup. Si ça pouvait proc du saignement en plus, ça serait parfait, mais pas tout avouer. Tiens, je peux l'améliorer. Et ça, c'est une 2, mais j'en ai déjà une. Ok. La rune de la muerte. Ok. Ok. Salut à Yonder, bienvenue. Comment ça va?
Ce tourbillon, c'est la cendre de guerre de l'apôtre Sainte Chair. Et en fait, elle est en pyrotechnie. Alors, attends. Tornade de flamme noire, ça s'appelle. C'est très fort. Hein. C'est très très fort. Hein. Mais il faut pour prendre un niveau là, 8600, ok. Ouais, donc en fait, pour prendre... putain, il faudrait que je trouve un souvenir de boss là. Pour pouvoir level up. Okay. Objet légendaire, allez vas-y, dis-moi que c'est ça. Oh putain, énorme. Énorme. Mais ça donne pas beaucoup ça, non? Ça donne 20 000 je crois. Et ben voilà. Et ben voilà, nickel. Du coup, il me reste Jarrebourg à looter. Voilà. Attendez, je vais m'asseoir. Il y a du monde là quand même. Gros début, ouais. Alors, je vais voir combien ça donne ça. Combien ça donne. Pas mal. 20 000 déjà, ça me permet de passer un petit peu de level de foi. Fallait, putain! Ouais, deux levels, ok. Compliqué quand même. On va aller le dupliquer, le souvenir ici, là. Comme ça, je peux prendre 4 niveaux en tout. C'est déjà ça, c'est déjà ça, c'est vrai. Maintenant, c'est combien? 9500, ouais, bon. Après, j'ai pas mal de runes aussi, hein, sur moi. Boss 1, ouais. Point d'exclamation, mort 9, Bloody End. Mort comme un caca. Mais là, ce soir, je sens... je sens très très fort que c'est la run, ok? Je sens fort que c'est la run. Hein? Ah, mais ça fait des attaques d'estomac. Elle est longue à charger, cette arme. Mais si je fais ça... Qui a eu peur? Pas moi. Ouais, je pense que je vais streamer demain, mais un peu plus tard, tu vois. Ok. Pire mort, laquelle? La mort 9? J'ai goûté un nombre de fois incalculable, c'est la run. Mais là, c'est la run! À chaque nouvelle run, c'est la run! Bien sûr. C'est la run. Attends. Non. T'es mort niveau 130 sous les pattes de ce truc. Ah ouais! Salut Firely là! C'est la run. Le chat est d'accord pour le dire. Il y en a marre, hein. Ça dure des plombes ce truc à chaque fois. Ah c'est bon. Ok, on va pas trop s'approcher. Et là, on dirait vraiment une tortue ninja, par contre. Hein. Trop stylé avec mon perso, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas? En effet, pourquoi pas, Campio? Bon, ça, c'est mon skill. Hein. Ça les fait flipper. Hein. J'ai pas eu de rune. Le nom de mon cheat s'appelle Ribez. Ok, on va aller à Jarrebourg. Bah ouais, j'ai pas fait tout ça en fait. Tac, tac. La scarabée. Ici, ben, boss et Jarrebourg et la cabane.
Ouais, les boss se suicident en me voyant devant le no skill. Devant le no skill. Et du coup, je vais pouvoir level up, là. Let's go. Et je vais lui vendre toutes mes runes à Jean-Mich, là. Quoique, je vais les garder pour pouvoir level up mon arme. Hop là. Allez, plus que 7 points. Enfin, si je vais sur mon calculateur de runes, ça fait combien, ça? Attendez, je suis level combien? Voyons voir. Je suis level 41, fais voir. Alors, level 41, et je veux passer du coup 7 levels, donc 48. ...83 293, il me faut. Ok. Let's go. Go, j'ai à rebours. Beaucoup quand même, 83 000. Je trouvais pas. Oui, oui, c'est beaucoup. Oui, oui, Ribo, c'est beaucoup. N'inquiétez pas. Du coup, ça, j'y étais déjà allé, je crois. Faut pas que je sois allé là. À la tour. La tour en pierre. Moi, j'aimerais bien le taper, point d'exclamation, day. Une gratos. Alors, fais voir. Ouais, super. Oula. On a un mec de Nocron. Donc, je vais me casser. Mais il y en a deux. Mort là tout à l'heure. Passe pas, ok. Gros. Ouais, bon. Moi j'ai pas eu peur. Hein. C'est là là qu'il y a un. Il va exploser, non? Ok. Non mais t'as vu ce qu'il y avait? Il y avait un mec qui te tabasse là de fois. Il y avait deux écrevisses. Il y avait quoi? Il y avait le mec du tuto. Collège de Nocelle. Incroyable. Les tripous de Nocelle. Salut Onini. Incroyable. Nocelle. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui Nocelle. Oui. What? À quel moment je fais péter ce ballon à votre avis? C'est la run. Let's go. J'ai rebours. On va j'ai rebourrer. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Quoi ce truc là? La première fois que je vois cette attaque. Oh là. Oh là là. Voilà. J'y vais au cac. Bah, je connais, ouais, Nocelle. J'y passais en bagnole pour aller à Toulouse. Ok. Ouais, ben dis donc, y en a du trash mob de merde. Hein. J'en peux plus. On peut pas progresser dans ce jeu. On peut pas. On se fait tout le temps avoir. Ok. C'est la run, ouais. Allez, j'en rebours. Des bénédictions, tout le monde. Moi, je m'auto-bénis. Je vais m'auto-bénir, là. C'est parti. Je me bénis avec, du coup, 499. Voilà. Je m'abénis. Je m'abénis. Je m'ai béni. Je m'ai béni fort. J'ai passé 2 ans en pensionnat. Horrible et courage pour ta run. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 2 ans en pensionnat. Eh bien, dis donc.
Pensionnat, moi j'ai pas fait. On va juste voir le boss là. T'es là. On va suer des fesses, ok tous. Ben là, il y a un scarabouze. Ah, c'est un réprouvé tout seul. Cool. Ok. Ok, un peu fort là. Ok, là, hop, on fait ça. Ici, je crois que c'est roulade. Oui, maintenant, je le sais. Roulade aussi ici. Hop là, et là, c'est diarrhée. Et là, c'est la diarrhée. Je le prends bien, t'inquiète. Vu que je te tampe au ban. Et tu me maudis. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse au cimetière pour la fin? Allez, ouais. Loot de merde. Ok, petit couteau. Et ouais, j'avoue que la gravité... C'est pour ça, c'est la vengeance de la blasphématoire, là. De toutes les runs blasphématoires, c'est la vengeance. Je l'ai eu dès le début. C'était pour me dire, joue avec ça. C'est obligé, ça. Alors. 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 Ok, il y a de la rune. J'ai de la rune dans ma besace, hein. Regardez ça. Ouais. Je pense qu'il va y avoir moyen de level up rapidement, je crois. 80 000, on avait dit. C'est pas beaucoup, 80 000, en vrai. Regardez, je suis déjà à 10% quasiment. Hop. C'est sûr qu'avoir une remembrance... Est-ce que je peux redupliquer le souvenir de Renala, le chat, vous savez, ou pas? Ou je peux le dupliquer qu'une seule fois? Je crois qu'il y a des trucs des fois là, non? Oui, là. Une seule fois. Ah merde. Ça se trouve, ça me vendait la Moonlight. Ça m'étonnerait quand même. Une seule, je crois. Merde. La Moonlight, je suis chaud en plus. Hein. Grave chaud de la Moonlight, moi. Si je trouve la Moonlight, ce que je ferai, c'est que je respecterai. Si j'arrive à utiliser la blasphématoire, je respecterai pour utiliser la Moonlight pour voir. Pierre de Forge 3, je peux améliorer ma hallebarde. Ça, c'est chouette aussi. Carreau, machin, ok. Bon. Eh ben, c'est pas ouf. Changer de mausolée. Ah oui. Donc, si je vais au mausolée de là, je peux la redupliquer. Ben, attends, mais j'y vais. Hein. Bon, j'y vais. Hein. Duplicator, hein. Appelez-moi Duplicator. El Duplicator. El Duplicator. Let's go. Je me suis soigné, quel cake. Bon, là, je suis content, je vais pouvoir améliorer la hallebarde en plus 10, du coup. Pas sûr, faut tester. Mais écoutez, on va tester. Oula, la faute de la nuit, là-bas. On s'en éloigner, quand même. Ça peut faire très très mal. En plus, j'ai pris une potion sans faire exprès. De stress, quoi. Potion de stress. Putain, j'ai eu la pirouette délicate. Ah ah ah, j'adore le Nodes. Pas vous? Ouais, essayer, on va essayer, on va regarder. J'ai la flemme d'aller voir Myriel, mais peut-être qu'il me vend flamme renforce-moi, auquel cas c'est banger absolu là. Je sais pas si j'ai un saut sur moi d'ailleurs. T'es sûr mes couilles en kit, une seule fois? Normalement on peut. Cela ne marche pas deux fois. Même si tu changes de mausolée, mes couilles en kit. Certain. Il y a des mausolées qui prennent pas certains souvenirs. J'adore le Nodes quand c'est pas moi qui meurs. Mais ouais. Ouais, je vais tester, non? Je vais aller voir. Oui, 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 je vais aller voir. C'est la run, quoi. Donc on est là pour tester. Ah ouais. Ah ouais, putain, ils vendent deux bangers.
Genre deux trucs absolument banger pour la magie, quoi. Ok. Ok, d'accord. R7, rune d'Orient, ok. Bah, écoutez, on va essayer d'aller le dupliquer. On va tester. This is the one. The only one. Non, en plus, je suis chaud, là. Genre, je pense que je vais pas faire de la merde. Je pense que je vais bien me concentrer. Faut que je focus, c'est tout. Et puis voilà, quoi. Genre, je pense que je vais pas vous parler beaucoup. C'est pas vrai. Alors lui, par contre, on va le buter, mais genre... sûr, quoi. L'autre, là-bas, il me fait peur, hein, quand même. Avec cette arme, c'est pas évident de taper les petites têtes de mort, là. Reset. Je préfère, hein. Putain, il a une gueule de tortue ninja, là. Il est trop stylé, mon perso. On dirait un ninja... ninja énervé, quoi. Je suis Raffaello, quoi. Je suis Ribuelo. J'ai un arc ou pas? Ce serait mieux à l'arc. Ouais, j'ai un arc. Je peux l'utiliser. Pas trop bien. Attends. Ah, mais j'ai que des flèches de Trina. Quel cake. Bon, je vais y aller avec la hallebarde, mais je suis pas chaud, quand même. Même pas hyper chaud. Salut Juju, comment ça va? J'ai passé l'après-midi avec mon frère et tout là. J'ai passé une trop bonne après-midi. Je me suis détendu. Et là, c'est la run, quoi. Re Thomas, comment tu vas? Re Atoy, voilà. Re Thomas. Ouais, j'avoue que ce gymnaste. Mes pattes, quoi. Ça, c'est un mausolée qui sait faire de la gym. Ça, c'est quelqu'un. Et ciao. C'est bon. Ben on va voir du coup si on peut dupliquer plusieurs fois. Oui, il est élégant, il est gracieux. Un pio gracieux. T'es content donc que je stream, Thomas, là. Re Casse-Noisette. Re à ceux qui m'ont vu ce matin. Re à Camarou. Bon, on va voir du coup si on peut dupliquer trois fois. Si c'est le cas, c'est trop cool. Ah non, vous aviez raison, hein, mes couilles en kit, vous aviez raison. Pardon d'avoir douté de vous, mes couilles en kit. Bon, du coup, je fais quoi? Merci, Nokuzen, pour ta bénédiction. Salut, Aka! Bienvenue. Et si j'allais voir, par exemple, combien ça coûte d'acheter la perle, de l'emplacement de la perle de Pierre de Forge 1? C'est pas con, non? C'était quoi, déjà, le boss, là? J'ai raison, comme dame, mais tu n'écoutes jamais. Ah oui, c'est vrai, c'est face de verre. Et voilà, peut-être un Moonlight dans le cul, oui. Acheter un marqueur d'objet mineur de pierre de forge 1. Pierre sombre 1, c'est ça. Mais ça coûte ça. 25 000. Ouais, non, c'est cher. 25 000, c'est cher. Vous pensez que je le fais ou pas? Salut Matt, comment ça va?
Bourgeon. Bah ouais, enfin, je sais pas, en vrai, putain, face de verre, quoi. Ça fait cher, quand même. Fais gaffe à face de verre, quand même. Porte tes balls. Non, mais je vais pas y aller à face de verre. N'inquiétez pas, je récupère ça et... Bah sinon, je vais le payer. Je vais le payer, allez. Masque de suzerain, très bien. Qu'est-ce que j'ai comme rune? Parce qu'il me faut une pierre de forge sombre une, donc... attendez, je vais lui vendre mes runes. Moi, je les porte pas, mes balls. Si vous voulez voir des joueurs qui portent leurs balls, c'est pas ici que ça se passe, ok? Ici, on est des gros pétochards, ok? Vendre, voilà. Ah, je les ai, les 25, là. Ouais, je vais quand même regarder ce que ça me fait comme niveau. Ici, c'est la chiasse, ok. Ouais, deux levels. Hein. Il m'en resterait que 5 après à prendre. J'ai une arme. Je peux jouer avec cette arme. Je peux peut-être prendre un autre. Hein. Quasiment 3, ouais. Je peux jouer concrètement avec cette arme. Je vais y vendre la pierre 9, là. Salut Slackis, salut JB, salut Matt du coup. Allez, plus que 4. 4 levels et une pierre de forge sombre 1. Ok? Pas mal quand même. Peut-être que je peux essayer de checker, voir, je sais pas... Renaufrette. Comment ça va, Renaufrette? Peut-être que je peux essayer de checker, de voir s'il n'y a pas... Je sais pas. Il me faudrait des âmes pour pouvoir aussi level up ma hallebarde. Après, je fais des dégâts. Hein. En vrai, là, regardez. Je crois que j'étais mort. What? What? Non mais ciao! Mignon le chien, ouais. Attendez, on va faire cette caverne là. Mignon de ouf, ouais. Vas-y, vas-y, tire. Ouah! Kono! Ouais, elle est stylée, mon arme. C'est le weapon art que j'ai chopé. Ça m'aide bien. Et là, il y a ces... Oh, l'assassinat, quoi. Je pense que pour le début du jeu, ça devrait aller, ça. Arme. Moi, j'aime pas beaucoup le moveset pour le coup. Ouais, ça remarche, Juju. Oh! L'armure des doigts, ça fonctionne bien, ça. C'est énervé. Hein. Je peux la porter. Il est. Ah, j'avoue que cette idée, elle était top. Hein. Pêche, sa biche. L'armure d'El Dedo. Rune dorée 3. Merci à Tibi pour le subprime. Merci beaucoup, Tibi. Oh putain. Ah d'accord, ouais. C'est ton métier, Juju. Tu seras rémunéré pour toutes ces brèves. Qu'est-ce qu'il nous a sorti comme brève Nightbot d'ailleurs? Le prochain qui maudit la run, il est tempoban pendant un an. Très bon timing le bot là.
Ouais, ces trucs électriques, je crois que tu prends les coups, t'es mort. Les 6 coups, t'es décédé. Tu décèdes. Ouais, ça disparaît, je crois. Voilà. J'ai pas mis de buff dans ma fiole de salut miraculeuse. Ok. Bon. Ouais, je suis mort pas mal de fois, Firelay là. Vous avez mes morts, hein, point d'exclamation, mort 9 pour la dernière mort. Bon, bon, bon. Bah, là, on peut voir le boss avant d'y aller, du coup. Bonsoir, Biscotte. T'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est le géant de feu, là. On l'entend, non? C'est lui. Le Fire Giant. On va faire avec la taxe. Ah non, c'est... Ok, c'est un golem. Superbe. Connard! Allez, je vais juste voir ce que c'est. C'était lequel? On n'a rien vu, vous avez même pas eu le temps de voir, non? Le putréfié, le putride, au secours. On va aller voir le boss du tuto, alors. Putain, au secours, quoi. Ok, on a déjà Godfrey et le putride, ok, super. Salut, Yurrich. Yurrich ? Bienvenue et merci pour le follow. Salut, Captain. Comment il va, Captain Tiplouf? Ouais, I am Tortue Ninja. C'est bien qu'il soit un nécrolimbe, ouais, mais il m'a éclaté la gueule la dernière fois. C'est comme ça que je suis mort, d'ailleurs. Le feu! C'est la run, ouais. Bah moi, si j'ai Malenia en nécrolimbe, pour moi, c'est la run. J'avancerai centimètre par centimètre. En même temps, c'est difficile d'avancer autrement, mais bon, c'est pour dire que je checkerai chaque centimètre carré. Je trouve que les trash mobs sont trop sympas pour que le boss soit lui aussi trop sympa. T'aimes bien ces armes au cac, toi? Oh putain. Ah lui, par contre, il fait mal. Là. Salut, fils! Suivi, hein. Et là, bam, Malenia. Mais au moins, tu la vois avant. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche, toi? Ah ouais, il a l'aggro de... Ok. Putain, c'est l'Elden Beast. Wow, c'est quoi, ce run? C'est quoi, là? C'est quoi? C'est le Endgame Land? Dans le endgame, ça y est, je suis arrivé en endgame, là. Tant mieux, hein, mais crotte, hein. Retour au lobby. Mais... Ok, donc Godfrey, on n'oublie pas, hein. Godfrey, Ezekiel, Elden Beat. Ok. Face de verre aussi, du coup, là, quand même. On va quand même l'afficher, face de verre. On va pas le nier. On sera pas dans le déni, d'accord. Face de verre est là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je peux voir le boss avant. Il y a lui, là. Il fait du putride. J'aime pas le putride. Trio magique, ouais. J'arrive au meilleur moment. Hein. Le moment de la Elden Beat. Elden quoi? Elden Beat. Là-bas, il y a un chevalier du creuset. Protège un objet, je suis sûr, il protège une pierre de forge sombre une, ce connard. Salut à toi, FR Production. Salut à Bébou Sombre. Je vais juste voir les dégâts que je lui fais à Jean-Mich. Attendez. Quand même. Ma fiole de salut miraculeux. Je sais pas si j'ai un truc dedans pour... Je crois que j'ai un anti-altération. Si je confonds pas les runs. Bon, dans le doute, je mets ça, mais bon. Ça améliore mes attaques magiques. Hein. Enfin, si c'est magique, ce que je fais. Toujours pas de DLC en vue, non, malheureusement, à faire production. Toujours pas. Je pense qu'on aura une annonce le 25 février. Je pense qu'on aura vraiment un trailer le 25 février. Ok, donc là, on a un mob de temporisation. Et donc là, c'est un... Ouais, c'est un... C'est un mec à la cape, mais ils sont forts, ceux-là. Ils sont quand même forts, hein. Et puis, il fait de la putrée. Est-ce que j'ai de l'antiputré? J'en ai un peu, j'en ai un peu. Ils sont forts, ceux-là. Ah, bah lui est génial. Ouais, je suis pas sûr, tu vois. Qu'elle soit géniale. Percy, il est mort avec, je crois. Je sais pas. Putain, là, mais what? Mais what? Ok. Ouais. Putain, il a une super ligne de tir pour l'ascenseur. Ok, bisous. Bon là, du coup, je tombe pas. Maintenant, je vais plus jamais dans ces trous là-haut. Alors, plus jamais. Hein. On va voir, il y a peut-être un boss du endgame encore. Petite Malenia là. Hmm, on parie sur quoi? Petit Goldfrey, t'es. Petit Goldfrey. Oh! Attends, si je l'attaque pas, il reste peinard, je crois, lui. Hein. Je crois que ouais. Hein. Je crois que c'est ça, hein. Ça ou c'est le petit? Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ok. Comment je vais passer là? Sans deck? Non mais c'est quoi? C'est... Ouais. Je vais passer derrière lui en courant. Hein. Je vais être obligé. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il est musclé? Qu'est-ce qu'il est musclé, putain? Ça se trouve là-bas, il y a une pierre de forge sombre 1. I'm a ninja! On va me faire du sale, ouais, c'est clair. Non mais... Les ours, quoi! Joli! Merci. J'ai appris... avec l'expérience, à force. Bon, on arrête de flex. Et surtout avec lui, là. Là, j'y vais comme un gros bœuf. Quel est ce son? Bah, allez go Altus, hein. On va passer dans la... Finalement, tu peux aller à Altus très rapidement hein, si tu fais le boss qui remplace Makar. Que tu tombes sur un nocher. Ouais, Samy. Je me régale aussi. Enfin, hein. Si tu veux, le défi est cool. Hein, donc, mais je crois que j'ai ça. Pour faire remonter mes vies. Attends, et ça améliore grandement ma vita, là. Ouais, quand même. Ah ouais.
Ouais, c'est proportionnel en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est de la merde, mais ça prend... ça devient bien quand c'est... quand t'as déjà une belle barre de vie en fait. Mais je pourrais plus porter malheureusement mon équipement si je fais ça, vous voyez. Là c'est juste pour me faire remonter mes vies sur le chemin. Ah putain. C'est un gros. C'est la run. Oh putain, c'est un gros. Non mais c'est quoi cette caverne là? J'espère que le boss c'est genre un troll quoi. Pierre de forge sombre, une. Non. Là, faut que je cours. Hein. C'est aussi simple que ça. Oh. Il est AFK, non? Non, je crois pas. Pas du tout qu'il soit AFK, non? On fait quoi pour que mériter un karma aussi négatif? Franchement? Putain, j'ai streamé. Salut Isidore. Putain. Salut Froggy. Ouais. C'est un volatile funéraire. Mais on va pas pouvoir faire deux boss. Bon, moi on l'a vu lui. Ok, donc on peut faire zéro boss actuellement, à part lui, là. Peut-être tester quand même les dégâts, mais ouais. Ah ouais, c'est... Là, si vous avez les mods de la miche où on fait... vraiment, on se délecte, quoi. On se délecte. Hein. Un vrai petit plaisir, ouais. Un vrai petit plaisir. Mais je sais pas quoi faire, en fait, là. J'ai tout looté partout. Vraiment 25 000 là pour avoir la perle hein. Mais de toute façon c'est forcément sur un boss. Là on voit le boss. Allez un boss normal genre... qu'est-ce qu'on a comme boss normaux? Il y a les nochés. Il y a le pumpkin tout seul. Il y a à la limite la chimère. La chimère j'irais comme ça, vous voyez. Mais c'est tout quoi. Moi je veux pas plus que ça. Un objet. Pierre Force Sombre. Ta mère. Ah, je voulais voir si j'avais un seau, mais j'ai pas de seau. Quand même regarder ce que j'ai comme... comme incantation. Je vais regarder ça. Hop, fais voir, sans mémoriser. J'ai de l'anti-foudre. Ok. Salut Quentin! Bonsoir à toi, bienvenue. Salut Camille! Bienvenue Camille. On a tué Pat, quoi, pour le moment. Mais j'ai une belle barre de vie, et j'en suis fier. Comment tu vas, Camille? On a que des boss de merde. L'enfer. Grosse barre, ouais. Bon allez vas-y. Ah putain y'en a un autre. Cool. On va la vendre.
Mais tu m'as fait perdre des vies. Toi. Oh la malmort. Oh la malmort qui me follow. Oh le follow de la malmort. Pour full life. Prends ambiance, hein. Ça va et toi? Je vois que c'est compliqué les boss. Ouais, c'est affreux. Affreux. Salut Pissenlit, c'est affreux. Il est tout seul? Il y en a 16? Si il est tout seul, j'y vais. Tout seul, hein. Ça fait quoi comme dégâts mon truc là? C'est un boss normal. Ça fait des dégâts perçants. Évidemment que ça fait des dégâts perçants, puisque je suis face à un mec qui traîne le contondant, putain! Je m'énerve pas. Hein. Du coup, j'ai ça. J'ai fait du contondant. Mais bon, après, mon arme est tellement puissante. Je suis si puissant. Et s'il est tout seul, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Attendez, le TP. Je bois des trucs. Je sais pas quoi, mais je bois. Tout seul? Mais tout seul. Oh, yes! Tu vas voir. Je fous par terre, connard, moi. Désintégration, t'as. Deux. Dos. Et le nécessaire de couture encore. Comment ça casse-toi? Non, ça allait. Ça allait, en vrai, ça allait. Bon.